ready to hear that, because those works, those are just analogies, right? Those didn't really happen, and, you know, that's just a special one-off thing for Jesus, although he was a man, and although you're supposed to be like him. So you're not meant to do those types of things. That's for the Son of God. No, you're a child of God too. You see how your logic is just really collapsing in a lot of ways? And why people aren't taking you as seriously as they once did? And why now, when we have access to so much information and knowledge, people are starting to peel back the layers and recognizing the true history of this baby religion? Because that's right. Y'all just got in the game. You're not even that old to be talking all that shit. Little baby religion out here trying to tell people what to do. Granted, you've done a great job of indoctrinating a lot of people, so kudos. But you see, we're minding our own business over here, and you're all up in it. You see how you can't possibly be doing what you need to be doing if you're in my business? Yep. In our business? Yep, bro. And I get it. It's hard to remove the indoctrination and heal from the religious trauma, but y'all be getting on this app absolutely trying to destroy and demonize any and everybody else who does not believe what you believe. But then you expect people to respect you and your beliefs and not push anything that they believe on you, which most people aren't. You just think that because they won't conform to your way of thinking. When the tables are turned, all of a sudden you don't understand free speech. All of a sudden you don't understand why we can't have difference of opinions. And if you could be friends with someone as a Christian who's Catholic, or you could be friends with somebody who's Jewish, or you could be friends with somebody who's Muslim, but you can't be friends with somebody who's a witch, that's just a different faith. It's like your religion is not your personality. It's not a personality trait. It's a spiritual practice that's meant to help you get through the hard parts of your life and develop you as an individual. You're using that as a way to justify whether or not you should be kind to people. I'm sorry, you're actually a joke. And I will be dicing you up into comedy bits. Okay? That's just what it is every single motherfucking time. She nailed the girl. Okay. All right, guys. Bonjour. Ah, tu es dans quel pays? Toi qui veux commander les kits. Tu es dans quel pays? Where are you? Which country are you from? Good morning, everybody. On a une belle journée aujourd'hui. Divas London, I am great. Tu m'admires, hein? Oh, thank you. Merci, c'est tellement gentil. Donc, on jeûne aujourd'hui, hein? J'ai oublié de vous dire. Je sais que chez vous, il est déjà 8 heures et tout ça. On jeûne aujourd'hui, demain et après-demain. Ok? God is not done with me, oh, God is not done with me. He's just getting started, I'm right here for it. Bonjour à tout le monde, on jeûne aujourd'hui, oh. Aujourd'hui, demain et après-demain, voilà, 6-18h. Be patient, patient, patient. J'espère que c'est pas la pluie. Pluie, comment tu peux venir maintenant? It doesn't make sense. Pourquoi tu... Oh, bon, ok, tombe. Tu es la pluie. Tu as le droit de tomber quand tu veux. Bon, la pluie a décidé de tomber maintenant. Ok. Je demande dans la présence du Saint-Esprit de la Vierge Marie. Que je parle comme votre oracle, Seigneur, aux ancêtres.
Hier, il faisait tellement chaud à Libreville. Et les gens disaient, oh my God, on attend la pluie. Et toute la nuit, la pluie a résisté. La pluie ne voulait pas sortir, elle ne voulait pas accoucher. Donc, je vous annonce qu'il pleut à Libreville. It's raining, right. Donc, je me suis réveillée avec beaucoup de messages à télécharger. Donc, on ne va pas mettre de musique de fond aujourd'hui, mais je vais laisser la pluie nous faire le fond sonore. Madame la pluie, ne m'empêche pas de parler, c'est tout ce que je te demande. Ok. Ok, donc... je dois vous lire les cartes concernant l'attaque spirituelle que vous êtes en train de subir actuellement. Ok? Bon, l'esprit m'expliquait que... Il y a quelqu'un ici, tu as eu... tu es quelqu'un de très créatif. Tu es quelqu'un de très positif. Ton argent dépend de ta positivité. Ton argent dépend de ta positivité. Et tu es tellement positif et créatif que... Ça a attiré l'attention des gens. Donc, tu es quelqu'un qui a... Tu es censé briser les malédictions générationnelles de ta famille. La première partie de ta vie, avant que tu ne tombes sur mes vidéos, tu étais... Tu sens qu'il y a la célébrité en toi. Tu sens que... Like, you know, I'm supposed to... Je suis censé... Mais tu manquais les outils. Je sens une sorcière ici. Tu as des pouvoirs. Et ces pouvoirs t'ont été passés par ta mère qui a pris de sa mère à elle-même. Mais ils n'ont jamais été activés dans votre famille. Et tu es maintenant, et aussi, oh my gosh, il y en a ici, vous êtes des femmes de l'eau. Une femme de l'eau... Ce n'est pas parce que l'eau te fait peur que tu n'es pas une femme de l'eau. Je vais juste préciser ça. Juste comme ça, en passant, il y a beaucoup de femmes qui... J'ai rencontré beaucoup de femmes à Abidjan qui pratiquent beaucoup. Et je vous préviens juste, je vous mets en garde. Partez pas, ne venez pas de chez vos ténébreux là. Vous venez chez moi. Je travaille avec la lumière. Donc, il y a beaucoup que vous savez, vous êtes parti faire des alliances négatives. Après, vous venez me voir, vous prétendez. Vous ne pouvez pas me tenter. N'essayez même pas. Ok. Donc, les attaques mentales. Tu vas sentir ces derniers temps-ci que tu as de la peine à rester positive. Parfois, tu restes comme ça là. C'est comme si ton futur s'embrouille. Ton futur s'embrouille. Bonjour, Florent. Donc, tu restes comme ça là. Avant, tu étais clair que bon, voilà, je travaille ici 2 ans, après je fais ça, après. Mais tu as l'impression que c'est un peu comme si tu étais en train de faire le resetting. Tu vois, quand tu éteins un appareil, après tu le remets en marche. On est en train d'update ton système. Certains d'entre vous aussi, vous aurez des douleurs de votre corps qui vont être très prononcées. Un mal de dos qui va sortir de nulle part, par exemple. Donc je sens quelqu'un que c'est vraiment, quand je mets la main derrière, au milieu du dos comme ça, derrière. Tu as mal là-bas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des guérisseurs. Et ce pouvoir de guérison, tu as commencé à l'utiliser. Mais les personnes... Tu vois un peu, je vois un peu quelqu'un que tu exerces dans une ville, dans un quartier. Les gens te voient, ils savent que ah, lui là, oui, il guérit. Et ces personnes, dans la nuit, elles viennent t'attaquer. Parce que leur but, c'est que tu déménages ou que tu arrêtes de soigner dans leur quartier. Soit tu déménages, soit tu arrêtes de soigner dans leur quartier. Parce que tu viens couper leur marché. Tu imagines, ils avaient déjà un nombre de personnes qui suçaient la nuit. Toi, tu viens, tu commences à donner les astuces pour qu'ils se protègent. Je vois carrément certaines sorcières que la nuit, le royaume des ténèbres, bien sûr. Il y a des sorcières lumière et des sorcières ténèbres. Certaines personnes qui visitent les gens la nuit pour leur faire du mal, là, elles arrivent à côté de votre lit, ils n'arrivent pas à accéder.
ils arrivent dans votre maison comme ça, ils entrent, mais ils tournent seulement autour de vous comme s'ils ne peuvent pas vous toucher. Voilà. Maintenant, vous êtes... cette attaque-ci, quand vous allez en sortir, vous allez... C'est un peu comme si tu seras réveillé. C'est un peu comme si on aura mis... je crois qu'il y a les piles les plus faciles, Duracell. Voilà. Je vois un peu comme si tu sors de cette attaque. Oh, qui a regardé Fast and Furious? Il y a le nouveau Fast and Furious sur Netflix. J'ai regardé ça. J'ai commencé à regarder. C'est rare que j'arrive à tenir un film jusqu'à la fin. Je finis tout pas dormi. Donc, j'ai commencé à regarder le Fast and Furious. Et là-dedans, ils ont des tubos qu'ils mettent sur la voiture. Et quand ils déclenchent le boulon, qu'est-ce qui se passe? Boum! L'accélération. Donc, on me demande de t'annoncer que quand tu vas sortir de cette zone qui apparemment est une zone de turbulence, tu auras une accélération financière. Tu vas déménager, même tu vas aller dans un pays où tu voulais, un quartier que tu voulais. Ton nombre de vues aussi. Je vois quelqu'un que ton exposition sur les réseaux sociaux va augmenter. Je vois aussi quelqu'un qui va se décider et va se lancer finalement à faire ses, et pas commencer à faire des vidéos. Ils ont permis que cette attaque se fasse. Genèse 50, verset 20. Ce que vous avez prévu d'utiliser pour me faire du mal, le Seigneur l'a tourné pour faire du bien à moi et à plusieurs autres personnes. Donc, ce sera ça votre témoignage. Quelqu'un est parti peut-être pratiquer pour te piquer, t'envoyer une flèche dans la poitrine. Et toi, l'attaque vient, mais tu sors de là plus confiante. Et tu découvres maintenant que tu es une reine. Royalty. Tu découvres que tu es une reine. Et tu ne te laisses plus influencer. Tu découvres que tu es une reine. Et tu commences à crave, tu commences à raffoler de vidéos de royauté, tu achètes même les vêtements de royauté, l'abondance. Cette attaque spirituelle est en train de te recalibrer. Je vois quelqu'un qui va sortir de ça aussi et qui va commencer à accepter l'argent. Bonjour Marcelin Camdem, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'amour, monsieur Marcelin. Donc, quand tu vas sortir de là, je vois quelqu'un que son argent était bloqué. Tu es sur une liste d'attente pour qu'on paye tes contrats. Tu as tellement attendu. Et là, on t'appelle, on te dit, viens prendre. Je vois aussi quelqu'un qu'avant tes revenus, c'était peut-être genre 50 000 par jour. Ça va se multiplier. Le chiffre 5, 3... ou 7. Donc, qu'est-ce qu'ils ont d'autre pour vous? Tu seras aussi très créatif. Ton chakra de la couronne est en train de s'ouvrir. Et tu subis des attaques actuellement parce que tu es très haut placé dans le spirituel. On me dit aussi qu'il y a des choses que tu es en train d'établir en ce mois de septembre, des batailles que tu es en train de vaincre dans le spirituel pour ta vie et pour la vie de certaines personnes, tes clients, tes élèves, beaucoup de maîtres spirituels. Je sais que vous me suivez. Vous savez que vous êtes appelés à être des maîtres spirituels. Bonjour. Vous savez que vous êtes des maîtres spirituels. Ça ne s'est pas encore totalement ouvert, mais vous êtes en train de mettre les piliers, les fondations de votre ministère grandissant. Prochaine carte, chaman. Vous êtes des chamans. Je vais voir ce que Google dit des chamans. Ok. Bonjour Doldo, si tu es femme ou homme, bonjour. Appelez-moi Reine Lumière. Certaines personnes aiment m'appeler ma reine. Appelez-moi Reine Lumière, si ça vous dépasse. Appelez-moi, dites-moi Reine Lumière, je préfère ça. Je ne suis la reine que de ceux qui croient que je suis leur reine. Tout le reste, je vous prends quand vous me prenez.
voilà, normal, c'est très bien. Le chaman ou la chamane est une personne considérée par sa tribu ou son groupe comme l'intermédiaire ou l'intercesseur entre les humains et les esprits. Waouh, le roi Xavier, tu es en pleine. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous ouvrir. Et pour sortir, like, you know, comme résultat, voilà, comme résultante. De votre activation, vous allez reprendre du service. Vous allez reprendre la guérison. Parce que je vois quelqu'un qui a. Tu guérissais et quelqu'un est venu pour te tenter. Quelqu'un est venu pour te tenter. Tu l'as conseillé. Écoutez, hein, parfois, même si tu ne touches pas la personne. Ça, donc, il y a des personnes qu'il se lève le matin, il dit qu'il veut te voir, il veut te voir. Tu ne sais même pas pourquoi il veut te voir. Mais il a des buts, il a des motifs. He's got ulterior motives. Et il a des motifs ultérieurs pour venir te toucher. Parce que certains d'entre eux, ils ont un mauvais cœur. Donc, quand ils partent te porter les mauvais sorts, les choses comme ça, c'est leur mauvais cœur qui leur donne ça. Qui donne accès pour qu'on les touche. Maintenant, quand toi, tu arrives. La personne, ouais, je vais te voir. Rappelez-vous toujours de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. I don't joke with that story. Voilà. Tu avais oublié que tu savais soigner. Tu étais devenu amnésique. Je pense que tu l'as dit amnésique. Oui. Il y a beaucoup de guérisseurs, beaucoup de chamans, beaucoup de personnes, peut-être comme des messagers divins. Ils sont venus avec des sortes de voiles. Et c'est comme si vous étiez dans un état latent. Voilà. Donc, beaucoup d'entre vous, votre nom dans le spirituel, votre nom porte beaucoup de pouvoir dans le spirituel. Vous êtes des personnes très puissantes. Wake up, wake up. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, moi c'est Reine Lumière. Il y a un ange ici là, depuis là, il fait qu'attirer mon attention. Vous devez laisser vos anges travailler pour vous. Certains parmi vous, vous êtes en processus d'épuration. Vous pugez. Et vous pugez la douleur de toute une région, d'une zone. Vous pugez la douleur de vos followers. Vous pugez la douleur de vos élèves. Parce que n'oubliez pas que quand vous prenez sur vous de commencer à apporter la lumière dans la vie des gens. Bonjour le coq. Quand vous apportez la lumière dans la vie des gens. Ça veut dire que vous prenez sur vous les ténèbres. C'est un peu comme si c'est un échange. Je te donne la lumière, je prends tes ténèbres. Maintenant, en toi-même, tu dois être assez patient, fort, pour absorber, digérer et te débarrasser des ténèbres que la personne va vouloir te passer. All right, let's carry on the reading. On continue. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des pace-setters. Vous êtes des personnes qui sont appelées à. Éclairer d'autres personnes, ouvrir le chemin pour d'autres personnes. Et votre activation est de telle façon que vous allez sentir dans votre dos, un peu comme si c'est sur les omoplates, vous allez sentir l'énergie bouger.
Voilà. Bonjour Naomi Nana. Merci. Tous ceux qui m'aiment, je vous aime aussi. Ceux qui ne m'aiment pas, ne pensent même pas à vous. Donc je ne peux pas dire si je vous aime ou pas. Ok. Si je réponds à votre question, ce que j'ai vu, je n'ai pas voulu répondre. Évidemment que mes mains ici, c'est pour dire ce que j'ai à vous dire. Le reste là. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des anges terrestres. Ne serait-ce que par votre présence. Pas seulement financier, mais le fait que tu sois quelque part. Vous apportez beaucoup. Oui. Vous fortifiez beaucoup les gens. J'ai un oncle qui est décédé, une sorte d'oncle de la famille, ami de la famille. C'est un homme qui encourageait beaucoup. Quand il te voit, tu fais quelque chose. Je me rappelle il y a 2 ans quand j'ai commencé. Il est venu me voir. Il dit, je vais t'aider, je vais t'aider. Il m'a montré là où je devais acheter beaucoup de choses. Il m'a montré comment on faisait beaucoup de choses. Et quand il est décédé, il dit, waouh. Il y avait cette. C'était pas quelqu'un que tu vas le voir, il va te donner forcément l'argent. Je me rappelle, il y a une anecdote, je sens sa présence là. Ok, j'ai compris. Un jour, il vient chez moi, à ce moment-là, j'étais au 4e étage. Mon bureau est au 4e étage. Donc, il arrive. Je vois comment il se colle sur le mur comme ça là pour marcher. Je dis, mais c'est quoi, tonton? Il dit, moi, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur des hauteurs. Il était costaud comme ça, il devait avoir au moins 1,90 m. Très grande taille. Et il avait toujours cette façon de faire rire les gens. Il mettait toujours les gens de bonne humeur. Je suis sûr que l'homme-là, c'était un ange, like, you know. Donc, vous pouvez avoir ce genre de personnalité. Vous êtes quelqu'un que vous mettez toujours les gens heureux autour de vous. Bonjour. Et quand ces attaques arrivent, première question que vous allez vous poser, voilà, votre ego va jouer. Je suis même qui? J'aide même qui? Vraiment, moi là, regardez-moi. Donc, quand les attaques vont venir, tu vas like, you know, tu vas décomposer tout ce que tu avais formé comme image de toi. Tu vas te dire, how am I? What can I do? J'aime qui? Personne ne m'aime. Donc, on me demande de te dire de ne plus arborer, 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 de ne plus porter cette image de toi. Voilà. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes censés voyager, mais pour le moment, vous allez aussi faire beaucoup de voyages, beaucoup de voyages astraux. Et il y a des choses que vous êtes en train d'accomplir dans le spirituel actuellement. Dans 2, 3 ans, ce sera votre quotidien physique. Et quand je parle à des personnes, c'est là que vous savez que vous êtes appelé à voyager beaucoup. Vous savez que vous n'êtes pas censé être seulement sur un seul endroit. Donc il y a un truc en vous qui sait. Voilà. Noëlla, arrête de m'envoyer tes cœurs. Je vais te bloquer. Je t'assure. Tu me distrais. Beaucoup d'entre vous, vous avez des contrats d'âme que vous avez signés même avant de venir. Et ces contrats d'âme, c'est comme des accords que vous avez passés. Genre, à tel moment de ma vie, je dois tomber sur tes vidéos. Bonjour le coq, tu es venu me saluer.
à tel moment de ma vie, je suis censé voir, donc rencontrer tel problème et ça va m'activer. Je prends un exemple par exemple. Il y a des pays où actuellement ils sont en secousse. Il y a le couvre-feu au Gabon actuellement et à partir de, on va dire 22 heures maximum, personne, on peut dire presque personne n'est dehors. Et il y a des personnes que cette situation de couvre-feu, donc physiquement, les gens se disent, oh, mon business va tomber. Mais toi, ça fait comme si c'est un moment où tu ouvres encore une autre partie. Tu ouvres une autre option de business que tu aurais pu faire. Donc, vous avez des contrats avec des personnes. Parfois, ces personnes viennent dans votre vie et vous font beaucoup de mal. Parfois, ce sont des situations. Vous allez dans un pays. Quand vous arrivez là-bas, il y a des problèmes. Ça vous met en situation de stress. Finalement, ce stress-là vous ouvre. Vous voyez un peu. Voilà. Bonjour. Donc, ces choses ne sont pas censées vous décourager. Mais quand vous façonnez votre esprit, vous allez comprendre que c'est pour une raison que je me suis retrouvé ici. Ce que je prévoyais n'a pas marché. On dit en anglais, make some lemonade. If life gives you lemon, make some lemonade. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai goûté la limonade. Un jour, ma fille s'est levée un jour, elle a dit comme ça, elle a dit qu'elle fait les vidéos. Donc, elle a fait les recherches, elle voulait faire la limonade. Tu vois, quand tu goûtes le lemon, il... Et quand je voyais sa recette, elle me met les ingrédients, elle a pris le sucre, l'eau, les limons. Je regarde. Dans ma tête, quand je vois les ingrédients, je disais que non, ça ne sera pas bon. Il y a aussi la glace. Tu prends le limon, tu goûtes. Mais quand elle finit la recette, tu peux boire un litre de limonade. Les outils que la vie t'a servi, tu ne trouves même pas comment tu peux faire. Like, vous me donnez le citron, je fais quoi avec? Mais quand tu ajoutes ton twist, tu ajoutes ce que Dieu t'a donné là-dedans. Ça fait... Et ça devient quelque chose... Waouh, je t'apprécie. Quand vous venez vous m'apprécier, là, vous croyez que quoi? La vie m'a donné des limons. Copieusement. Copieusement. Donc, souvent, je pose au supermarché divin. Je dis que donnez-moi encore les limons parce que ça passe sur le marché. La limonade passe. Pour faire la limonade, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de plus d'éléments. Noël avait été bloqué. Ne commente plus cela. Il était interdit de commenter aujourd'hui. Ne commente plus. Voilà. Tu m'envoies les... Je ne veux pas tes limons, je ne veux pas tes cœurs, je ne veux rien. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous étiez sur la mauvaise voie. Voilà deux coqs qui poursuivent une poule. Et pourtant, il y a deux poulets. Pourquoi chacune... Il y a deux poules. Mais pourquoi les deux coqs ne se partagent pas les deux poules? Hein? Le coq là préfère rester avec deux poules, il laisse l'autre coq là seul. Qui là-bas, tu fais cocorico pourquoi? Méchant coq. Il cherche les problèmes. Il est quitté, c'est là, il a couru. Venir là-bas déranger le coq là. Il y a deux poules. Prends une poule, tu laisses à part. Ah, c'est l'instinct de l'être humain. Parfois, vous vous demandez que pourquoi. J'aime beaucoup observer la nature parce que. Je pense qu'on a, avec la nature, je comprends l'homme méchant, je comprends aussi le processus de guérison. Souvent, tu pars dans la nature, tu blesses un arbre, tu coupes. Qui est là-bas? Je ne veux plus ton cocorico ici, là. Méchant coq. C'est parce qu'ils sont loin là-bas, c'est que par terre filmé, je vous montre. Tu vois, ils cherchent le coq là pour le chasser. Quand il arrive, il veut, on peut être méchant comme ça. Ah, la vie. Si vous avez observé la volaille, l'affaire de coq, si les coqs là, vous vous rappelez d'Anatole l'année passée, non? La poule là, pour le kit attirant, c'est... Anatole était dans la barrière chez moi, avait 9 poules.
Balthazar, c'était le coq qui était dehors, un coq en liberté qui n'avait pas de maître ni de maison. Anatole était très élégant. Quand une de ses poules devait avoir l'œuf, il vient s'asseoir à côté d'elle. Il tient sa patte. Elle pousse jusqu'à ça sort. Quand elle dépose l'œuf maintenant avant qu'il sorte. Souvent, Anatole venait dans mon bureau. Il vient sur les étagères de mon bureau avec sa copine là pour qu'elle fasse les œufs. Les deux premiers jours qu'Anatole est arrivé dans la concession, Balthazar saute la barrière. Parce que Balthazar n'avait pas coupé ses ailes. Il pouvait voler comme lui. Il était mince comme ça. Alors qu'Anatole, je ne te tire pas la carte, je veux parler d'Anatole et de Balthazar. Je veux parler parce que ça me plaît. Tu comprends? Bienvenue sur mon live. Ici, je parle de ce qui me plaît. Ok? Merci. Anatole saute. Il entre dans la barrière. Pendant 2 jours, il tapait Anatole. Anatole était costaud. Il le tape. Il le tape. Dès que je le vois, il prend le caillou, je lance sur lui. Pip, il fuit. J'avais donné l'ordre à tout le monde à la maison que si vous voyez Balthazar, tapez-le. Et Anatole était gentil. Posez, Louise, attends, elle te bloque. Je tire la carte pour toi que tu es qui. Posez. Quelqu'un va se dire, tu es dans ta maison, on t'a mis une barrière, on t'a donné 9 femmes. Tu es beau. Quelqu'un vient, il traverse ta concession. Il entre chez toi. Il commence à te taper. Tu ne lui as rien fait. Tu vis ta best life avec tes femmes. Parfois, vous direz, pourquoi ils sont méchants? Pourquoi ils me bloquent? Ma chérie, le méchant n'a pas de raison pour te bloquer. Il te bloque. Le méchant croit que ce que tu as est censé lui revenir. Et la preuve, quand même Anatole est mort après, Balthazar n'a pas eu les femmes là. Après 3 jours, un matin j'arrive, quand j'arrive au bureau, tout le monde me dit que hey, on attendait seulement que tu viennes. Que la situation s'est retournée. Anatole s'est réveillé sur Balthazar. Quand Anatole, parce que la concession est assez grande, vous avez vu ma képe, on n'avait pas encore construit le derrière là, donc la cour était vaste. Quand Anatole voyait Balthazar, il laisse tout ce qu'il est en train de faire. Il le poursuit. Il le tape copieusement. Jusqu'à même soulever ses ailes pour retraverser le portail. Balthazar sortait que par la porte maintenant. J'ai regardé Anatole, il est félicité que tu es ma personne. Voilà comment. Tu veux mettre quand même le coq de la lumière, tu ne tapes pas les gens. Maintenant, quand ce que Balthazar faisait, c'était quoi? Il reste sur le portail en haut là-bas. Hein. Il reste en haut. Il est comme ça là. Il guette. Quand il voit qu'il est du côté-ci, et qu'Anatole est loin là-bas, une des poules d'Anatole vient devant lui là. Il saute dans la barrière rapidement, il monte sur la poule là. Pouf! Et c'est que le temps là, quand Anatole se rentre courir pour venir, oh Seigneur! Quand Anatole est courir pour venir, il finit, brrr, tac, il se remet encore sur le portail. Et Anatole était trop costaud, donc Anatole ne pouvait pas s'envoler facilement. Aïe, ah, yeah. Que vous avez tué les bêtises. C'est le genre de quoi que quand tu manges, en mangeant sa cuisse comme ça, là, tu dis que toi qui me dérange là, toi qui me dérange. Parce qu'il y a les coquines qui sont visibles, je ne comprends pas. Donc, écoutez, vous pensez que même quand vous avez commencé à les taper, ils ne vont pas abandonner. Tu laisses une petite porte comme ça, une petite fenêtre ouverte un jour, tu dors un peu un jour sans faire ta prière ou bien sans verser le sel là. Hop, ils vont venir. Un jour, Balthazar est entré à la cuisine. On l'a attrapé. Je n'ai jamais eu envie de commettre un crime sur un coq comme celui-là. Parce que ce n'était pas mon coq, je ne pouvais pas le tuer, ce n'est pas ma part. J'ai demandé qu'on le prenne. Hein. Tu vois, quand tu appuies le coup du coq, tu appuies ce qu'il veut mourir là, non? Après, tu vous laisses. On a fait ça sur lui-même 5 fois. Et il lui a parlé que je ne peux plus jamais te voir dans la barrière. Si tu viens, il veut couper ta tête.
Je vous assure, depuis le jour là, Nathan n'est plus passé. Mais c'était trop satisfaisant quand j'appuyais son cou. Franchement, il y avait un goût. Tu vois, quand il faisait des coucous, il y avait le goût. Excusez-moi. Oh, Seigneur. Oh, yeah. Le spirituel, il ne faut pas blaguer avec vos ennemis. Il faut pas blaguer vos ennemis. Il y a une dame là hier, elle me dit que son chaque fois qu'elle faisait des rêves, elle prend un kit peut-être, elle commence à travailler. Elle fait un rêve où elle vous et si dans le rêve là quelqu'un se bat avec elle, elle tape la personne. Le lendemain, on dit que son père a chuté. Non, franchement, c'est satisfaisant, Kesha. C'est satisfaisant. Le lendemain, on dit que son père a chuté, qu'il a eu peut-être une attaque cardiaque ou un truc comme ça. Donc, il y a cela 3-4 jours. Elle fait donc encore un énième rêve. Et c'est une femme qui appelle aussi à soigner. Mais tu sens qu'il y a des blocages. Elle fait encore un énième rêve où elle, qu'elle me voit dans le rêve là, je lui dis que enlève ça sur toi. Donc, elle se lève donc, elle prend un truc que quelqu'un lui avait offert, elle brûle. Ou elle avait déchiré, ou elle est brûlée, ou je sais pas. Deux jours après, si ce n'est en tout cas moins de 48 heures plus tard, son père là finalement est mort. Merci beaucoup, le roi Xavier. Il y a des personnes que vous ne savez peut-être pas. Donc, quelque part dans ton subconscient, tu sais que c'est l'homme qui me bloque. Je ne sais pas comment, mais je suis sûr que. Ma tante, c'est là. Je saurais comment dire. Mais, je suis sûr que mes blocages viennent de la femme, c'est. Il est mort. Mais bien sûr, on va l'enterrer et il faudrait continuer son ministère. Elle doit continuer son ministère. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à rester beaucoup seuls. Et ce moment de solitude, ils vont vous donner des directives concernant votre vie. Certains aussi, vous allez beaucoup écrire, faire une sorte de journal intime dans lequel vous allez mettre, tu veux les produits, tu as Yaoundé, Jenny, et prends le numéro, tu appelles ou tu écris sur WhatsApp. God is not done with me. Oh, God is not done with me. It's just getting started. And I'm right here for you. Salut, je suis en direct. Je finis, je vais faire des réunions avec mon staff. Après ça, je vais aller au bureau. Be patient, patient. On jeûne aujourd'hui, donc ça, ce sera le soir. S'il vous plaît, qui répond au message du 693? Ça fait 24 minutes qu'il y a des messages non ouverts. J'ai fait un rêve dans le. Non, non, je n'interprète pas vos rêves. Les produits sont disponibles au Gabon, à Louis. Oui. Et puis on peut aussi poster si c'est à port gentil. Voilà. Je continue ce que je disais. Ils vont aussi jouer sur votre mental. Ok, j'ai montré une astuce ce matin sur la vidéo. TikTok, où vous parlez à l'eau. Donc beaucoup d'entre vous, vous allez vous guérir comme ça. Donc faites ça ce matin. On jeûne, mais on boit de l'eau. Moi, je bois de l'eau quand je jeûne, donc. Oui, les produits sont disponibles en français, en France. Donc 6 93 50 22 66 ou bien le 00 237 693 50 22 66.
Je reçois beaucoup de messages que je dois vous donner. Prenez le numéro du Gabon. 074 18 00 80. 074 18 00 80. Et le numéro de la Côte d'Ivoire, 0779 02 52 05. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Bon. Beaucoup d'entre vous, au sorti de ce mois de septembre, vous allez augmenter les produits que vous vendez, augmenter votre business, donc travail collectif, augmenter vos staffs, augmenter vos employés, je veux dire, augmenter les produits que vous vendez, ou encore vous allez ouvrir même un deuxième magasin. L'opportunité va se présenter d'une façon que tu n'attendais pas. Vous allez encore faire quoi? Vous allez encore... Ok, Aïdia revient. Voilà. Vous allez vous réveiller et la plupart des matins, vous aurez l'impression que cette journée, si mon argent va descendre. C'est en fait une contrefaçon de l'ennemi pour diminuer votre énergie. Que c'est quoi l'objectif du jeûne? Non, le jeûne, c'est là, ça n'a pas d'objectif, mamie. Tu as les problèmes, non? Prends tes problèmes, tu mets sur ça. Pour le jeûne, là, tu mets tes problèmes dessus. Parfois, tu as juste besoin de jeûner pour que ça fortifie... ton esprit. Jeûner, c'est se priver volontairement de nourriture en passant. Encore vu la vidéo là sur TikTok. Je l'ai posté ce matin pourtant. Yeah, this is really good. Please watch this. J'ai posté ça même déjà 1800 vues. Parce que vous ne regardez pas. Vous êtes bloqué. Tu es sur Facebook, tu n'es pas sur TikTok. Va regarder sur TikTok. Bon, arrêtez de me distraire. Oh, Ben Lise. Tu étais où? Tu sors d'où? Hein? Tu étais dans une énième bataille spirituelle. J'espère que tu as tapé au moins les gens là. Beaucoup d'entre vous, vous avez aussi pris du retard. Donc, la bataille mentale que vous subissez actuellement a ce but-là. De vous précipiter. Ça vient accélérer les choses. Beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes des guérisseurs. Et je pense que l'impasse dans laquelle vous avez été déposé est dans le but de te réveiller pour que tu te guérisses toi-même d'abord. Pour que tu te guérisses. Et quand tu te guéris, tu vois, ça marche sur toi. Tu peux aussi faire sur d'autres personnes. Beaucoup aussi, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de pratique spirituelle. Je crois que peut-être tu bossais beaucoup. Je vois quelqu'un qui était très pris par le travail. Et le fait d'avoir... une folle idée qui me passait par la tête. Le fait d'avoir beaucoup de choses à faire physiquement, c'était une sorte de stratégie de l'ennemi pour te bloquer et empêcher que tu n'approfondisses ta vie spirituelle.
Donc, tu vas recommencer à faire tes pratiques spirituelles de façon fidèle et constante. Beaucoup d'entre vous aussi, vos enfants vont vous rejoindre. Donc, vos enfants vont faire avec vous. Voilà, manque d'ancrage. Tu n'étais pas ancré, tu n'étais pas stable dans tes pratiques. Il y avait des jours où tu faisais, des jours où tu ne faisais pas. Et je vois un peu comme si on mixait tes shifts au travail. Le jour, si on te met de jour, après-demain, on te met de nuit, après, on te met. Donc, ce qui fait que ça va troubler un peu ton cycle spirituel. Donc, tu es en train d'être restauré. Maintenant, il y a aussi beaucoup de jalousie autour de vous. Tu as mal au pied, tu me dis pourquoi? Hein? J'ai mal au pied, n'arrive pas à marcher. Like, where do you come from that? With that? Pourquoi tu sors d'où avec ça? J'aime tout exposer vos problèmes aux gens. Beaucoup d'entre vous, vous avez des connaissances antérieures, un savoir divin très profond qui va remonter. Je vois aussi quelqu'un que dans les prochains jours, tu vas être très sensible. Dans les rêves, on va beaucoup te parler. C'est un peu comme si la voix dans tes rêves va être très accentuée. Très. Voilà. Vous savez, je soigne certaines choses. Mais parfois, je suis un peu, je sais pas si choqué ou bien énervé, quand des personnes ont des maladies et qui ne partent pas d'abord à l'hôpital. Il y a le médecin que vous avez vu à l'hôpital, il y a le traditionnel, et il y a d'autres personnes qui travaillent, qui disent seulement avec les esprits. Quand quelqu'un me dit l'autre jour, oh, j'ai la typhoïde. Tu pars à l'hôpital, on fait les examens, on voit la typhoïde. Prends le médicament que le médecin de l'hôpital te donne d'abord. Moi, je suis en train de soigner à l'indigène. Parce que le truc avec l'indigène, c'est que tu ne mesures pas. Tu ne connais pas exactement. Donc, prends d'abord pour l'hôpital, tu finis. Maintenant, tu peux prendre pour l'indigène si tu veux. Vous aimez partir, vous faites diagnostiquer quelque part, et après, vous partez ailleurs prendre le médicament de ça. Parfois, c'est vous-même qui cherchez vos problèmes. Hein. Donc, il y a aussi beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir l'aide d'une personne. Quelqu'un va arriver dans votre vie et il va vous aider. Il va vous aider énormément. Et aussi beaucoup parmi vous, vous faisiez beaucoup d'efforts sans voir du résultat. Maintenant, tu vas rester comme ça et juste parce que tu fais ce que tu es censé faire, tu vas recevoir des compensations. Donc, il y a une de mes filles qui me disait hier, une dame est venue se coiffer. Donc, vous allez commencer à fonctionner dans donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À chaque jour suffit son argent. Donc, il y a une dame qui est venue se coiffer chez elle hier. Et la dame, c'est une personne qui a beaucoup d'argent. Et la dame demande que je te paye combien. Elle dit non, ça va, tu es à la maison, ça fait longtemps et tout. Finalement, ok, je vais t'envoyer ton jus. Et pas donc, la somme qu'elle lui a envoyée pour le jus là, en tout cas, ça pouvait acheter 50 jus, hein. Peut-être même 70 jus. Et. Vous aurez l'impression que quand vous allez vouloir vous inquiéter pour demain, Dieu va dire, mets ton énergie seulement pour aujourd'hui. Et quand tu vas finir ta journée, même si aux yeux d'autres personnes, tu n'as pas accompli quelque chose, tu auras un sentiment d'accomplissement à l'intérieur de toi. Tu auras un sentiment de, like, you know, you're gonna be fulfilled. Tu auras un sentiment d'accomplissement à l'intérieur de toi. On ne prie pas seulement quand on traverse les mauvaises passées. Ce que vous aimez, c'est un dame prayer. Un dame prayer. Un dame prayer. Un prayer. Ouais, vous connaissez. Un dame prayer. On ne fait pas que la prière. Il y a l'écoute. Il y a le lavage au sel. Je vous ai parlé de l'huile de blindage. Il y a quelqu'un ici là que tu dois mettre l'huile de blindage sur ton cou. Tu masses ton cou avec. Et aussi quelqu'un que tu sens souvent, les choses, souvent les palpitations. Le soir avant de dormir, couche-toi, tu prends l'huile de blindage, tu verses ça entre tes deux, entre tes, non, au milieu de ta poitrine. Tu verses ça là. Et une personne qui m'a dit qu'elle a versé ça la première fois, ça picotait. C'est comme si elle était blessée, on versait l'alcool dessus. Parce que dans la journée, généralement, l'ennemi essaie de vous déséquilibrer énergétiquement. Et
Il y a des choses, des outils qui vont vous aider. Bon. God is not done with me. Oh, God is not done with me. He's just getting started. Bonjour les anges. Vous êtes venus me dire bonjour. Vous êtes combien? Appelez vos collègues. Oh, vous êtes quatre. He's just getting started. And I'm right here for it. Be patient, patient. Mettez l'huile mille faveurs, l'huile de bendage, il faut mettre ça sur vous. Ok, en mettant vous parler, j'enlève toute barrière maléfique contre moi. Et ceux qui ont reçu les petites boîtes d'huile de bendage dans l'équipe, il y a aussi les grandes boîtes. Les grandes boîtes viennent comme ça. Donc quand tu as la grande boîte, j'ai fait les grands formats pour que vous ne manquiez pas. Parce que certaines personnes en Europe là-bas, ça fait maximum 150 grammes. Hein. Donc, vous postez ça, on ne peut pas poster ça par DHL seulement, seul comme ça. Ce serait du gâchis. Donc, quand vous achetez vos produits, demandez toujours une extra portion. Une grande bouteille d'huile de blindage, une grande bouteille de donne-moi tout. Ça va vous aider. Et puis, une grande bouteille de sort de moi. Voilà. Les trois produits-là, vous devez avoir ça chez vous. Ok. Il y a le numéro sur cette page. Quand vous demandez comment me parler en privé, là, il y a le numéro. Non, je n'ai pas appelé. S'il te plaît, fais les appels pour moi. Si tu peux réserver 2-3 rendez-vous, ce serait cool. Merci. Ah, tes vidéos, mes vidéos t'ont fortifié. Quand tu écris, c'est l'assistant qui me répond. Oh là là, l'homme noir, l'homme noir. Pourquoi vous êtes comme ça? Demande à mon assistante comment me parler. Parce que vous arrivez, vous parlez, quand mes assistants disent que vous devez payer pour me parler, ça vous énerve, vous partez. C'est que tu n'es pas ma personne. Parfois, tu payes, même on n'arrive pas à se parler. Voilà. Une affaire comme ça hier, je vous ai déjà dit que mes consultations, tu payes, je te consulte le même jour. Si ça ne te fait pas, je te rembourse le même jour aussi. Cash. I don't want problème. Elle paye. À l'heure où on devait se parler, je crois qu'elle a écrit pendant 45 minutes comme ça là. L'assistant lui dit qu'il faut patienter, patienter. Hey! Finalement, quand elle appelle, je décroche. Hein? Comment ça se fait que vous ne m'expliquez pas pourquoi vous m'avez fait rentrer tôt? Pourquoi vous m'avez... J'ai dit, mamie. Mamie, please, donne-moi le numéro et te rembourse au pays. Please, avec. Et par chance, même la comptable était encore là. On a envoyé son agent. I don't want problem. Quand ton agent reste dans ta poche, c'est bien, non? N'est-ce pas? Voilà. Parce que vous faites souvent comme si quand vous venez payer pour me parler là. Moi, quand je vous parle, c'est mon énergie que je mets à votre disposition. Et moi, je ne simplifie pas mon énergie. Je valorise mon énergie. Et si ça vous dit, je m'en fous. I don't care. Si tu veux, va voir mes vidéos. Si ça t'intéresse, ne regarde pas mes vidéos, va ailleurs. Je ne suis pas la seule personne qui fait ça en ligne. Ok? Tu venais, ceux qui croient qu'ils vont venir dans la boutique pour me voir là, vous allez na. Tu as compris? Tu vas na. Vous allez na. Parce que quand vous venez pour me voir là, vous avez compris que, wow, est-ce que... Tu me vois physiquement, je ne te dis rien. Je ne te dis rien, je te salue, certes. Mais dis que tu vas vouloir que je te parle, que consulte-moi comme ça. Là, je vous connais. Vous avez un truc là que vous ne connaissez pas respecter ou honorer les dons des gens. C'est pour ça qu'on n'honore pas les vôtres. Il y a un monsieur qui est dans ce direct-là. Avant que je commence le direct, je t'ai vu. Je t'ai même donné ma ligne personnelle. J'ai une ligne personnelle depuis peut-être 5 jours. Que tu as dit, personne n'a cette ligne.
Il parle, après il commence à me... Il me bombarde de 50 messages par heure. Je vois de quand j'ai du temps, monsieur. Et que je suis fâchée, pourquoi? Aïe, attends, il te bloque, papa. Ou c'est mamie, oh. Please, bloquez you. Voilà. Je suis consciente que j'ai pas besoin de beaucoup de vous. Voilà, ok, je continue. Après, comment me dit que je peux te faire comment pour te parler? Il dit que tu dois payer ma consultation. Là, maintenant, il sent que, comme je dis qu'il paye là, ça ne va plus. Ok, je croyais que tu étais. Non, je suis choisie comme vous. Je suis choisie. Mais je travaille, c'est mon boulot. Vous avez suivi? I'm working. J'ai fait souvent les directs où j'ai eu mes amis d'enfance. Oh, merci d'être venu. Merci. Je vois un de mes amis qui m'écrit, c'est que bonjour Jojo. Quand il voit derrière Jojo, les que nous, ça c'est un ami de classe, un camarade de classe. Commence à vouloir parler que je te connaissais. Il dit que hep, je suis au pointage, il faut me laisser pointe. Donc si vous négligez vos dons, ne croyez pas que c'est parce que vous négligez vos dons que moi-même, je vais négliger ma part. À bon entendeur, peace. Les gens ont souvent ce truc-là. Comment elle se prend pour 5 francs? Elle veut que je me prenne pour 5 francs. Comme ça, on va se s'infranter ensemble. Je ne me s'infrante pas avec toi. Ce n'est pas de l'arrogance. Je ne me s'infrante pas avec vous. S'infrantez vous seul. Si tu as négligé tes dons, le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 0779 02 52 05. Si tu passes sur ma page, tu peux voir, c'est sur ma page aussi. 0779 02 52 05. God is not done with me. Oh, God is not done with me. It's just getting started, and I'm right here for it. Combien coûte la consultation pour un enfant? Va écrire sur ma secrétaire, elle va te répondre. Dodo, merci pour les fleurs que tu m'envoies. Pense que notre direct tire à sa fin. Je vous ai donné tous les messages que j'avais, qu'on m'a donné pour vous. J'essaie de voir. La spiritualité est réelle. On vous avait grandi, on vous a fait mettre la spiritualité en second plan. Pour aller chercher un boulot. Quand ce sera le moment pour vos enfants et ils choisiront leur route spirituelle, ne les bloquez pas, s'il vous plaît. Je vois quelqu'un aujourd'hui, tu seras amené à marcher dehors là pour mettre les pieds sur le sol. Donc sur la verdure, si tu as une pelouse, ou bien tu verses le sel au sol et tu marches dedans. J'ai fait ça ici. Les dons n'embrouillent pas, c'est toi qui es embrouillé.
Tes attaques mentales, là, c'est toi qui les causes. Vous savez qu'il y en a parmi vous, vous n'aimez pas les choses simples, non? La spiritualité est très simple. Spirituality is so simple. Mais vous compliquez. Non, tu sais, vous aimez les choses compliquées. Vous aimez les gens qui vont vous endoctriner. Les gens qui vont vous assujettir. Les gens qui vont vous impressionner. Oh, that one. Vous aimez qu'on vous impressionne. Vous aimez. Impressionne-moi avec ta voiture. Impressionne-moi avec ton téléphone. Impressionne-moi avec ça. Même pas pour vos beaux yeux. On est ouvert jusqu'à 19h le samedi. Si vous appelez avant de venir, on peut même attendre un peu plus. Mais ne viens pas pour acheter le sel de 2000. Tu crois que mon employé va t'attendre pour 2000 francs. Faut laisser. Et on livre. On livre à Abidjan, on livre à Douala. C'est Libreville, que Libreville est tellement petit que si tu veux livrer à Libreville, pas de sens. Car là, tu as un esprit auquel je ne vais pas répondre. Tu as compris? Tu es déjà une personne qui comprend la spiritualité. Non, on poste au Tchad. On envoie ça. Les gens qui font les camions, là. On envoie les produits au Tchad. On poste dans les autres villes. On poste à Dakar. On poste. Même à Abidjan, il y a des villes auxquelles on ne peut pas partir, comme Boaké. Tu connais, il y a les villes là-bas, en Côte d'Ivoire. Yomsoukro. Hey, yeah. On te dit que tu es une sirène, tu viens me demander. La personne qui t'a dit là, il fallait lui demander, non? Le premier jour, je partais à Mans. Mans, normalement, c'est une région de la Côte d'Ivoire qui s'écrit M-A-N. Je disais Man. Je dis bonjour, je pars à Mans. Elle dit, oh. Après, j'appelle, je dis M-A-N. Elle dit, ah, oh, vous allez à Mans. Like, that was just like, why would you say Man? Man. Pourquoi vous dites Man? Pourquoi vous dites pas Man? Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il y a aussi Yopougon, non? Vous avez vu qu'ils appellent Yopougon, c'est ça? Yopougon. Il y a Boaké. Il y a... En tout cas, je vais encore voir vos villes, là. Comment les Ivoiriens nous attendent? Je dois absolument changer mon accent pour faire comme si je suis une Ivoirienne. Parce que la canne qui est en train d'arriver... Ce sera seulement les problèmes entre nous et eux. On poste au Togo, oui. On poste au Bénin. Enfin, vous êtes très marrant. Hein. Quand on vous dit qu'on poste partout, vous allez tout venir demander quand même. Que et. Il y a encore un nom là. Yopougon. Il y a un autre nom là qui me plaît bien. Yopougon. Il y a un autre nom là. Il y a E sur ça. Mais les Ivoiriens, vous savez quand même que... Oui, la connexion n'est pas bonne. On fait seulement avec. Vous savez quand même qu'on va vous gagner, non? Cathy, si tu as vraiment besoin d'aide, il y a le numéro sur la page. Tu prends le numéro, tu écris, tu expliques ta situation. Tu as compris. Apprenez à chercher les solutions à vos problèmes. Comme tu vois là, il y a l'eau de blindage. J'ai l'eau bénie que j'ai laissée là-bas au Cameroun. Si tu es au Cameroun, il faut aller prendre l'eau là, tu bois.
Prends l'eau là, tu bois. À Douala, j'ai laissé l'eau de lavage et j'ai laissé l'eau bénie. Il faut boire ça. Ça va aider le bébé dans le ventre. Vous aimez tout dans les commentaires. En passant comme ça, là, c'est là que tu veux contacter les gens. Bon. Je vais vous laisser maintenant, vrai, vrai. Oui, engrais à Boïké. Engrais, je connais bien engrais. À Boïké, non, c'est pas à Boïké. Les Ivoiriens sont très simples. Ils croient que tout le monde les aime. C'est pour ça que très souvent, les gens ont possibilité d'accéder à eux et leur faire du mal. Si tu rencontres une jeune fille ivoirienne de 18 ans, 19 ans, tu as plus de chances qu'elle soit simple. Qu'elle soit comme tu la vois là. Par contre, tu rencontres une fille camerounaise de 18 ans. Les injures qu'il y a dans son ventre. Les injures. Tu te dégames comme ça, elle t'insulte comme ça, elle te lave jusqu'à tu dis que, hé, hey, qui est. Donc je pense que ça, c'est ce que j'ai remarqué sur les Camerounaises. Les Gabonaises aussi ont la bouche. Gabonaises. Tcha! Elle t'insulte avec le bon français. Oui. Et la Camerounaise, tu peux prendre une Ivoirienne, tu la laisses. Et on peut dire qu'il y a 70% de chance. 70% de chance qu'elle soit fidèle dans ce qu'elle a dit qu'elle va faire. Mais la Camerounaise. Camerounaise, on a dit, vous voulez les idées des gens. Donc même l'enfant de 15 ans, tu la prends, tu la mets là-bas. Donc il y a un truc ancré dans le Camerounais qui fait qu'il veut toujours tromper l'autre. Il veut toujours. Je ne vous chiba pas, je ne chiba pas les Camerounais. Mais j'ai l'impression que parfois les Camerounais ne sont pas un peu vrais. J'ai l'impression que les Camerounais ne sont pas un peu vrais. Et même les enfants, hein. Et c'est plus probable de voir une Camerounaise qui pratique déjà. Par contre, les Ivoiriennes qui se réveillent et qui dominent les autres sont celles-là qui ont vu comment utiliser l'énergie des autres personnes très vite. Du coup, elle part. Le voilà là-bas, le voilà. Regardez-le, regardez-le. Je vous ai parlé de lui, c'est là où vous croyez que je mentais. Regardez. On peut faire ça. Le voilà. Ayon. Vous l'avez vu. Regardez-le. Il te dit que je ne veux pas t'écriquer là-bas. Vous le voyez. Il a chassé l'eau. Donc voilà qui a amené ces deux femmes-là ici. Vous avez parlé de lui, vous avez dit, le voilà. Ne me guette pas, ne me regarde même pas. Hé. Hey.
Un polygame, il a volé les femmes. Laissez-le comme ça là. Beaucoup d'entre vous, vos anges sont très hauts, très grands. Tu peux remarquer quand tu arrives quelque part, les oiseaux viennent vers toi. Bon, le réseau dérange sur TikTok. Je vais arrêter TikTok alors. Tu cours pour aller où avec les femmes là? Eh, pourquoi le coq là ne fait pas la revanche? Il a lui abandonné. Est-ce qu'on baisse les bras sur les femmes comme ça? Facebook, vous m'entendez? TikTok n'entend pas bien, non, il va arrêter.